bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Comme vous le voyez derrière nous, on est à Europa Park et on va aller tester Voltron. Mais comme ça fait un moment qu'on n'est pas venu, au final, on a pas mal de nouveautés à faire. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Et voilà, nous sommes à Europa Park. Par une belle météo. Ouais. Et je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne à cause de cette météo et de la rentrée scolaire. Ah bah mais ouais, c'est quand même fou, il y a plein de gamins. Ils rentrent pas, ils ont pas école ou quoi? Notre dernière visite date de 2018 et c'était au lendemain de l'incendie de la zone Pirate in Batavia. Donc on a plein de choses à aller faire. Ah ouais, carrément. Avec Piraten, ouais, avec Voltron, Cancan Coaster, Joséphina. Et la nouvelle version du manoir hanté. Aussi, ouais, il y a plein de trucs à faire. C'est fou. Voilà, ce qu'on va faire, c'est le Gästerschloss, Hôtel Medici. Castel Medici. Et donc, c'est la nouvelle version du château hanté. Comme dans Harry Potter, ils ont copié un des messieurs maquillés, là. Allez, c'est parti pour le Castello dei Medici. Ça va, t'as pas trop peur? Si, je suis motivé. Ouais. Il y a des squelettes. Les gens sont en tête. Oh. Hein? Ouais, c'est bien fait. Je sais pas si c'est de la projection. Je pense, hein. Thank you.
C'est la fin, c'est vrai. Ouais, c'était pas grand, je sais que c'était pas long le parcours. Bon alors ça va, c'était bien fait. Bah, je pense que les nouveaux effets ils sont sympas, c'est très court. Ouais, ouais. Mais bah, les nouveaux effets sont bien avec le mapping, ouais, c'est bien fait, les projections et tout. C'est en effet beaucoup trop. Ouais, bah oui, mais après c'est un vieux truc aussi. Mais c'est bien. Première attraction, donc Europa Park. C'est parti. Et donc bah, nous sommes ici pour deux jours. Hier soir on a découvert Rolantica de nuit. Donc c'était avec une soirée de 19h à 22h. Et bah, c'était super bien, franchement ça nous a bluffé. Vraiment très testé. Ouais, oui. Ouais. On n'a pas filmé bien sûr en fait. Mais... Piccolo Mondo, tu veux faire ça? On va tout faire de toute façon. Mais plus tard. Voltron, on va attendre un petit peu plus tard dans la journée, parce que là tout le monde va se diriger dessus directement. Allez, on va faire des petites attractions, des paires pour commencer la journée. Donc là, on va faire Madame Friedenreich Curiosité, parce que pareil, c'était en construction quand on est venu en 2018, c'est pas encore ouvert. Oh, c'est bien décoré. Hein. Oh, c'est sympa, hein. Vas-y. C'est fou, les décors et tout, waouh. C'est comme ça que les dinosaures sont nés. Ah ouais. C'est beau les décors. Mmh. 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 Sympa ce qu'ils ont fait. Bon, c'est mignon tout plein. Hein, voilà. Oui, mais bon. Bon, les dinosaures, ils sont pas très bien faits. C'est ça. Je m'attendais à mieux vu tout le battage autour. Mais quand même, tu vois. Ouais. Mais après, ça reste mignon, oui. Ça fait une dark ride en plus. Voilà, ouais, ouais. Puis il y a des dinosaures. Voilà, c'est ça. Ça, c'est tendance, les dinosaures sur les enfants. Et donc là, bon, on va faire le Matterhorn Bits, il n'y a personne. Pour nous réveiller un petit peu. Oh, regarde, on est déjà en Grèce de l'autre côté. Ah, tiens, il n'y a personne dans le Water Coaster. Ouais, je ne comprends pas pourquoi. C'est parti pour le Matterhorn Bits. Ah, comment on va faire? Oh, il y a toujours qui se là. Dans le coin. On voit bien un Voltron là, t'as vu?
Ça va encore. Oh, ça va, elle est quand même douce, hein, quand même. Ouais, on va enchaîner avec un petit Dark Ride Adventure Atlantis. Et donc, c'est un Dark Ride Adventure. Mais j'aime bien parce que j'espère que je vais gagner. Je sais pas. Toi, pour l'instant, je te dois. C'est ça. Arrête, tu triches. Oh, mais regarde, du coup, maintenant. Oh. Et on sort donc sur Poseidon. C'est bon. On fera un peu plus tard dans la journée. Juste à côté de la zone grecque, vous avez la zone croate avec Voltru, donc la nouveauté de 2024. Oh, c'est mini tout plein. Ah oui, puis en fait, apparemment, c'est un spectacle d'animatronique. Something like this. Indeed. And when is that going to happen? Forget it, Eric. No one believes in me. No one understands my work. Mais c'est quoi ici? Des glaces? Oui. Il y a 30 minutes. D'accord. Bon, on le fera après. Hein? Donc Voltron, on va faire un peu plus tard parce qu'il y avait déjà 30 minutes. Et on voulait, voilà, on a le temps, on a deux jours pour le faire. Alors là, il a annoncé à combien? Une minute? Bon, après ça va vite, hein. C'est les grands trains. Allez. On va faire ça. C'est parti pour Euromir. Allez, c'est parti pour Euromir. On voit bien Voltron là. Petite balade digestive. Ouais. Ouais. Je me souviens plus que c'était sur ça. Attention, c'est bientôt. Attention, c'est parti. Oh la vache, c'est rude. Bah ouais, ça fait c'est rude hein. Oh
Oh punaise. Oh la vache. Après c'est rigolo les virages, mais ouais ouais. It's a bit strong. C'est un peu fort quand même. Sherman's friend. Ouais c'est ça ouais. Alors nous voilà aux Pays-Bas. Donc la dernière fois qu'on était venu, bah c'était fermé. C'était en partie en fumée. Et donc on va faire Piraten in Batavia. Attention Jean-François. Il s'appelle le truc. Jean-François. Ouais, c'est bien. Oh, c'est beau, ouais. Waouh. Incroyable. Oh, c'est fou. Ouais, c'est beau, c'est grand, c'est incroyable. Kommt zusammen, meine Freunde! Ich muss euch was aufregen. Ich habe diese Karte von meinem alten Erzfeind Cortez gestohlen oder geborgt. Ihr erinnert euch an ihn. Scharf geschnitten Süße. Ouais, c'est beau, c'est immense, hein, c'est grand. Hein. Ouais, c'est grand, c'est joli, c'est ouais, bien fait. Ouais. Ils sont passés au niveau d'après, ouais, quoi, ouais, d'un coup. Ouais. Ça ressemble beaucoup, ça ressemble, on dirait, à Hollandais volant. C'est ce que je me dis depuis l'entrée, je me dis ça ressemble beaucoup. Après, c'est quand même un petit peu différent, mais... C'est plus haut de plafond ici, c'est ouais, plus impressionnant. Ouais, c'est plus impressionnant, ce que je me dis. Ouais. C'est ce qui m'a marqué ici, ouais. C'est ce qui m'a marqué. On est déjà là. Ah bah ouais, en effet. Ouais, c'est beau, hein, même la gare, elle est sympa, vous voyez. Ouais. Regardez, la gare, elle est super belle. Elle est bien avec joli, les ouais, effets, avec l'écran. Et tout, ouais. Même les bateaux, ils sont super beaux. Oh, il y a même des noms. Ah, ouais, là, j'ai vu, ouais, c'est sympa. Hein. Comme ça, avec les loupiottes, ça fait très hollandais. Ouais, bah ouais, ouais, carrément. Puis en même temps, c'est hollandais, hein, la faction. Ouais. Oh, c'est beau, ouais. C'est bien, c'est beau. Solltet ihr ihn finden, gebraucht ihn nur für das Gute. Überlasst ihn niemals dem Bösen. Viele stolze Krieger haben in den letzten 1000 Jahren versucht, sich von uns zu entfernen. Doch wir haben keine Sicherheit. Du bist doch eine Marke der Uhr. Alles vorhoben, ich bin der Verfälle. Ein Leben ist doch nie, wenn du lebst, zu können. Thank you.
against dem Feuerteamer nie konntest. Das ist doch ein witziger Schlag. Außerdem, was ist sowieso gerade eine Runde schwimmen? Max. C'est bien, ouais, c'est bien fait. C'est super. Sie sind der Anjubi, famose Pirat. C'est beau. C'est classe, hein. Ouais, c'est vraiment bien. Ah ouais. Je le fais encore une fois. Franchement, vraiment. Oh. Ah ouais. C'est fou. Mais j'ai pas vu Monsieur Mac dans le tonneau. Dans le tonneau. Ouais. Mac... Ah ouais. Normalement, ouais, ils ont fait comme Jack. Ah bon. Ouais. Bah, faut le refaire une deuxième fois. Ouais, c'est bien. Hein. C'est super ce qu'ils ont fait.
Ouais, tu vois, ce sera plaisant à refaire, hein, ouais. C'est vrai, ouais, vraiment, c'est vraiment sympa. Super beau, les décors, ils sont gigantesques. C'est vrai, hein, c'est ouais, vraiment, ouais, puis il y a plein de choses à regarder, ouais, donc ouais, même le faire plusieurs fois, il faut. C'est vrai qu'Europa Park, c'est vraiment totalement une redécouverte à chaque fois, parce qu'on vient pas souvent. C'est quand même assez loin. On a une journée de route, hein, presque, hein, donc c'est vrai que c'est quand même... C'est pas venir pour une journée, quoi, c'est pas possible. Non. Ouais. Bah pareil, le quartier scandinave, il a été refait en partie, hein, je pense. Oui, aussi. Bah oui. Ouais. Allez, on va faire Snorri Touraine, parce que pareil, ça on l'avait pas fait non plus, hein, je pense pas. Non, c'était pas ouvert. Je pense que ça, c'était pas ouvert. Les écrans qui bougent comme ça. Nope.
dans la vidéo, on a vu en plein. Un peu machine à café. Ça marche plus fort. Bah, c'était super bien. C'était éminent ou pas? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Wodan Timber Coaster, donc, oui. La motoneige en bois du parc. 25 minutes, bon, ça va encore. Il est fluide et tout en plus. Il y avait pas de Times, même ouais, au premier carrément. Rang, il n'y avait pas. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est super. Par contre, c'est trop court. Ah ouais, bah ouais. C'est trop vite. Ah oui, d'accord, punaise. Ah, t'as vu ça? Allez, c'est parti, tout. Ah là, faut attendre les masques. Ah, c'est ça. Ça ouais. Oh, c'est beau. En effet, c'est très fluide. Ah ouais. Ah ouais, c'est fluide. Avec Coastality, donc c'est un casque de réalité virtuelle et il faut rajouter un supplément. Bon, nous on fait pas, ça nous intéresse pas la VR. Oh, l'autre. Est-ce que tu vois la petite grotte des trucs ou plus tard? Non, on peut aller faire les bûches. Ouais, d'accord. Allez, maintenant on va faire les petites bûches. Donc le tireur Wild Wasserbahn, qui est aussi du coup. Au pire, on utiliserait la machine, n'est-ce pas, Marie? C'est parti. Aussi, là. Ouais, c'est bien, là. Ça va?
punaise. Regarde, il fait le coucou. Coucou, Len. Le petit gnome. Oh, punaise. Ouais. Oh, c'est fou, mon frère. Oh, il y a une petite grotte. Ah ouais, c'est bon. Oh. Ouais. Oh, ça va encore. Bah oui, bah en général c'est toujours ça. En général c'est les petites qui sont vicieuses et ouais, ouais. Bon, ça va, c'est tout mignon, c'était bien fait. Ah ouais, regarde. Bah oui, bien, oui, oui, j'ai pris la une belle vague. Ouais, ouais. Ouais, les petites chutes, c'est toujours les plus vicieuses. Ouais. Hein. C'est vrai que la grande chute, non, il y a presque pas d'eau. Non, une petite bruine sur la grande chute, ouais, voilà, mais sur la petite tout, chute, ouais. Y a comme d'habitude, il y a un retour de vague. Alors, on a fait une petite pause déjeuner dans le Beer Carton, on a pris un petit jarret de porc. Et là, bah, on va aller faire un petit volétarium pour le théâtre volant du parc. Alors, on sort de volétarium. Bon, c'est vraiment un cran en dessous de Disney quand même. Il y a pas photo. Là. Oui. On voit le plafond. On voit le plafond, les transitions, c'est pas ouais, ça. Ouais, c'est pas ça du tout. On comprend pas trop où on est des fois. On est dans les champs, dessus d'une rivière. C'est pas assez explicite. Oui, hein, c'est dommage. Dommage. Et là, bah, on va aller faire Cancan Coaster. Allez, c'est parti pour le Cancan Coaster. Ouais. Super.
Alors bah on sort de Cancan Coaster, c'est super, franchement c'était super fun. Franchement c'est très vraiment bien, c'est bien foutu avec C'est simple mais efficace, ouais, ça marche bien. Ouais. À la fin avec les petites bosses, pour moi ça m'a rappelé le lever de jambes. Ouais, j'ai trouvé ça super rigolo, c'était bien, rigolo, c'était bien amené. Ouais. Franchement la théma elle est... c'est vachement bien. Même le coaster est super fluide, il n'y a plus d'à-coups comme avant. Et je vais faire une comparaison hasardeuse, mais en fait quand tu compares Hyperspace Mountain ou... Avengers Les effets sont mieux faits ici. Mais les effets sont mieux là, alors qu'ils sont simples, mais c'est bien réalisé, c'est bien fait, c'est fun. Ouais, carrément. Voilà. C'est Disney, viens regarder comment ils font. Puis en plus, c'est surtout moins cher. Oh, bah, certainement, en plus, oui. Ça coûte pas des milliards. Bah non, un petit manège d'avion pour changer. Un petit vomitron. Ouais, voilà. Bah oui, je sais pas ce que ça donne. On n'a jamais fait ce truc-là. Pour l'instant, ça va. Ouais. Ouais. C'est bizarre, hein. Ah ouais, ça y est, tu vois, on tourne un petit peu. Ouais, c'est rigolo, ça. Ah oui, d'accord. Oh, ça fait bizarre. Ah ouais. Ah ouais, ça fait bizarre. Ça va se lever après, ouais, ça se lève, ça y est. Oh, ouais, ça fait bizarre. Oh là. Le truc, il va s'arracher, tu vois. Hein, comprends. Oh, ça va encore, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. C'est sympa de les voir danser, les avions. Ouais, voilà. Il est double. La patrouille de France. Bon, ça va, c'est rigolo comme truc. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez un indice de notre prochaine destination? C'est très court, hein. Oh la vache. Et ça vibrote, hein. Bon allez, maintenant il est l'heure d'attaquer la bête, Voltron. On a gardé le meilleur presque pour la fin de la journée. On a gardé le meilleur pour la meilleure attente. Voilà, c'est ça.
Bah vas-y, viens, c'est parti pour Voltron. Ça va? Non, j'aime pas. T'aimes pas? Ah, c'est trop malade. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ouais, c'est un peu violent, mais ouais. C'est super mal, ah ouais, sur le bord. Ah ouais, ça vibre. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Putain, c'est violent, hein. C'est super mal. Ah ouais, c'est... C'est... Ouais, 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 ouais. C'est dommage, le parcours, il est bien et tout, il y a des bonnes petites choses, mais j'ai pas apprécié. C'est peut-être un peu trop violent pour nous, hein. Bon, allez, deuxième tour de Voltron. Toujours à l'avant, on fait pas exprès, hein. Voilà. On a échangé juste nos places. C'est plus agréable, enfin ouais, ouais. Même moi à gauche, je trouve que c'est... ça vibrait un peu, mais... Dommage, on passe en arrière. Ouais. Oh!
j'ai trouvé encore plus violent que la première fois. Ah ouais. Punaise, c'est incroyable. Punaise. Tu vois, deux tours, c'est bien. Après, il est quand même vachement bien, mais c'est intense, quoi. C'est super intense, quoi. Allez, maintenant, c'est parti pour Pegasus. Il est doux. Et la première descente, elle ouais, est quand ouais, même... Ouais, elle est fun. Ce que je te disais, il y a vraiment des tout petits qui montent dedans. Et c'est impressionnant, je trouve. Ouais. C'est presque mieux que... tu vas te faire redémonter, là. Je crois. Allez, on enchaîne avec Poséidon, là, où il y avait 0 minutes d'attente. On est monté presque directement dans le bateau. Ouais. Il y a quelques temps, il y avait des sirènes qui étaient là qui lançaient de l'eau aux personnes, aux gens, mais là, comme il n'y a personne. Regarde, Ah bah. Non, c'est pas trop une sirène. Hein. Non, voilà. C'est un peu peur, mais ça. Et je vais aller à Geisterschloss dans pas longtemps. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois le rail, il est quand même dans un état. Attention. Oh la vache. Ah ouais. Oh là là. Aïe. Oh putain. Oh punaise, non mais c'est horrible, c'est pas possible. C'est horrible. Oh punaise. Ah. Ah. Oh putain. Oh. Non mais c'est pas possible. C'est horrible. C'est pas possible. Punaise. On a trouvé pire que Voltron. Non mais carrément, non mais c'est horrible. C'est le LCC aquatique. Non mais c'est horrible. Comment Mac ne peut pas changer ses rails, sachant qu'il est fabricant, quoi. C'est un truc de fou, moi je ne comprends pas ça. C'est vrai que là, ici, la zone grecque, il faut vraiment qu'il la rénove, parce qu'elle est dans un état... J'ai des allumettes. C'est pitoyable. Ouais, voilà, c'est ça. Dommage qu'il y a trop... En fait, il y a trop d'eau, voilà, ici. Ça peut pas trop cramer, il y a trop d'eau. Mais ouais, non, c'est pas... Ouais. Pas très bien entretenu. Ici. Après ça va, c'est tout droit après. Il n'y a plus trop de virages, donc ça va. Ouais, ouais, ça va encore. Ça va encore. Ouais. Quelques gouttes. Même en ligne droite. Bah ouais, même en ligne droite. Dans le creux, c'était horrible, quoi. Un mal de jambes. Prévoyez de la mousse sur vos jambes.
On aura vu Euromouse. Et voilà, bah c'est ici, devant l'entrée de d'Europa Park, qu'on vous quitte pour cette première journée ici. Exactement, et c'était l'occasion pour nous de venir découvrir les nouveautés depuis notre dernière visite. Ouais. Piraton in Batavia, c'est super joli, bien fait, c'est extrêmement bien fait. Ouais. Et ensuite, on a fait Snorri Touren aussi. Mignon tout plein, c'était rigolo. Ouais. Et forcément aussi. Franco-Coaster, c'était vachement bien. Franco-Coaster, très bien. Franco-Coaster était vraiment très bien, très fluide, vraiment très bien. Et Voltron, qui est une belle réussite, mais ouais, qui va peut-être pas aller à tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Je le trouve un peu trop rude. Les éléments, ils sont trop serrés, je trouve. C'est pas assez ample. Je préfère les coasters qui sont quand même assez amples au niveau de leur mouvement, on va dire. Et tout dépend aussi du train. C'est vrai que le premier tour, ça vibrait quand même pas mal. Surtout toi, à l'extérieur du train, hein. ça a quand même bien vibré pour toi. Oui. Et moi, ça allait encore. Puis le deuxième tour, c'était beaucoup plus agréable. Demain, on espère qu'il fera peut-être un peu plus chaud pour qu'on fasse quand même plus d'attractions aquatiques. Notamment Aquatica Super Splash. Ouais, et aussi les bouées aussi.
En tout cas, il n'y avait pas énormément d'attentes, même s'il y avait pas y avait mal du monde. Monde dans le parc. Pour un lundi de septembre, On a quand même pu faire pas mal de choses, donc c'était cool. Et on a hâte de voir si demain sera encore plus tranquille pour en enchaîner encore plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être mis au courant de la prochaine vidéo et de la deuxième journée ici à Europa Park. N'hésitez pas non plus à liker pour nous donner un peu de visibilité, à commenter pour savoir si vous êtes venu vous aussi tester les dernières nouveautés d'Europa Park. Et sur ce, on vous dit à très bientôt sur Parktrips. Bye bye. Salut.